Manuel Valls, il utilise 6 fois le 49.3 et maintenant il veut le supprimer. Non mais c'est minable! Mais il y a une semaine, les gens, ils savaient même pas que ça existait, le 49.3. Et alors? Et alors, moi, je les trouve bien influençables, les gens. Hein, on leur dit que c'est scandaleux parce qu'il l'a utilisé 6 fois et qu'ils veulent le supprimer. Alors, ils sont scandalisés, lol. Bah, tu trouves ça bien, toi, peut-être? Non, je dis juste que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on en sait du 49.3? Que ça permet à un gouvernement de passer loin en force. Et puis, toi déjà, est-ce que tu sais ce que ça veut dire 49.3? Oui, dans les grandes lignes. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est que Manuel Valls, il l'a utilisé 6 fois. Non mais 6 fois. Mais merci, le message est passé. 49.3, c'est l'article 49-3 de la Constitution. Ah, mais je savais ça. Oui, et tu peux me résumer la procédure juridique? La procédure juridique, bien sûr. Alors, c'est simple. Je t'écoute. Eh bien, le 49.3, eh bien, ça permet justement au gouvernement de passer une loi en force. Oui, non, mais ça, on le sait, mais comment? Emmanuel Valls, il l'a utilisé 6 fois. Oui, ça ne progresse pas, ton histoire. 49.3, hein? Oui. Non, parce que moi, j'étais plus sur le 49.2. D'accord. Mais bon, va pour le 49.3. Hein. Donc, c'est... Je suis tout oui. Non, mais en même temps, moi, j'étais pas tout le temps là, hein, parce que tu comprends, moi, je travaille, j'ai les courses, donc j'étais pas à la maison à chaque fois que Manuel Valls, il a utilisé le 49.3. Ouais, d'accord. De toute façon, je suis sûre qu'il a dit ça exprès pour faire parler. Une petite phrase comme ça, ça coûte moins cher qu'un meeting. Et les socialistes, dès qu'il s'agit de sortir de l'argent, je connais, j'en ai un à la maison. Oui, donc tu ne sais pas ce que c'est. Ben non, je sais pas. Voilà, t'es content? Mais explique-nous, toi, comment ça fonctionne, le 49.3. Vas-y. Mais je sais pas, moi. Emmanuel Valls, lui, sait. Hein, c'est sûrement pour ça qu'il veut le supprimer. Il est pas con, le gars. D'accord. Bah, tu devrais être journaliste, toi, tellement t'es objectif. Tu te rends compte? Non, le massacre... Manuel Valls. Bah, tu... Il a un P, lui, maintenant. On dirait ta sœur. Attends, ça me balance moins d'offre. Arrête! Ah. Mais on fait rien, qu'est-ce que tu rigoles? Je pense à Manuel Valls.